Le point de départ, alors, le point de départ de Parc est sorti déjà, en fait. Ouais, il est sorti lundi. Le 27. C'est lundi, lundi c'est lundi, ça. Sorti lundi. Le point de départ. Ouais, je crois que tu as été l'enregistrer, enfin, tu as été le travailler au nord de l'Angleterre. Ben, on est allé l'enregistrer là-bas, et puis je suis allé deux fois à l'invitation de... J'ai un copain qui s'appelle Chet. Peut-être quelqu'un le connaît ici, parce qu'il a de la famille à Rennes, il a vécu aussi. Il a vécu à Belle-Île aussi. À Belle-Île, oui. Dans le phare, d'ailleurs, des poulains. C'est dingue, on lui a prêté le phare, il n'avait pas de maison. Non, c'est vrai, j'ai vu les photos. Parce que vous savez tous que Bertrand a vécu Photoshop. Enfin, on lui a prêté un appartement sur Photoshop. Chet, qui est un copain, mais qui est aussi directeur artistique du label qui me fait l'honneur de m'avoir signé il y a quelques années. Et qui m'a dit, tiens, mais c'est bien ce que tu fais, mais... Bon, alors, il trouvait mes albums bien, mais un peu osseux, quoi, un peu sur l'os, quoi. Et il m'a dit, mais c'est très bien que tu rencontres mon copain Chase, presque l'homonyme. Il s'appelle Mark Sheridan, c'est un gars que peut-être certains connaissent, qui a été guitariste anglais, qui entre autres fait d'armes, est un guitariste qui accompagne Richard Rolley, le chanteur anglais, le crooner Richard Rolley, depuis pas mal d'années, puisqu'ils sont des amis d'enfance, quoi. Donc tout ça, c'est la scène de Sheffield, et scène de Sheffield qui a commencé à être mondialement connue avec Joe Cocker il y a très longtemps, qui n'a aucun, avec lequel j'entretiens aucun rapport. Barbe. Bon, oui, c'est vrai. Et mal de dos aujourd'hui. Ah. C'est vrai qu'il n'y en avait pas dans les mix précédents. Et puis que là, il m'a tellement plu qu'il dépasse du mix d'au moins 17 mètres. Quoi. Un jaillissement de synthétiseur. D'ailleurs, quand j'ai envoyé l'album à Mark Sheridan, il m'a fait « J'adore, c'est super, mais je pense qu'il y a une erreur sur le synthé. » On a entendu « There's no mistake, man. » Voilà, donc c'est un synthé qui est très très beau, mais on va pas l'entendre ce soir malheureusement, parce que je suis donc, tout seul. N'exagérons rien, c'est quand même un album de guitare. Oui, ça fera plaisir à Tatiana, je dirais, qui joue de la batterie sur l'album. Mais c'est vrai. Pas là, non, il y a un album de guitare, bien sûr, parce que les chansons elles sont composées par moi, donc je joue de la guitare et je ne peux pas faire autrement que composer à la guitare, donc ça reste quand même un petit peu le nerf de la guerre, quoi, l'architecture de la maison. Mmh. Tu aimes chanter en français, ça t'a jamais tenté de passer à l'anglais, même en enregistrant en Angleterre? Non, ça m'a jamais tenté. Bah si, si j'aime bien chanter en anglais, il y a quelques chansons que je reprends de temps en temps. J'aime beaucoup, mais de là à écrire en anglais, non, ça me paraît pas possible pour moi, parce que pour moi c'est indifférent en fait. Donc, que ce soit l'anglais, le français ou le chinois, n'importe quoi, ça m'est complètement égal. La façon la plus simple pour moi d'écrire, c'est d'écrire en français. Donc comme je suis pressé d'être content, je vais tout de suite écrire en français. Ouais.